l'année 2015 pour Passé Présent. Passé Présent, l'émission d'Histoire de TV Liberté et l'émission, bien sûr, de Philippe Corrade. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'évoquerai tout d'abord l'histoire de la réunification allemande, puisque nous avons commémoré en cette année 2015 le 25e anniversaire de cette réunification. Puis Catherine vous racontera la vie d'un personnage haut en couleur du Second Empire, le photographe Nadar. Enfin, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jean-Jacques Doucet, qui a réalisé un roman historique qui s'intitule La sixième heure, et qui est un roman historique dont le cadre, dont le contexte se situe dans l'Espagne médiévale, hein, avec en toile de fond la Reconquista. Donc, ce qui nous permettra de parler de l'islam, ce qui en cette fin d'année 2015 est un sujet qui intéressera tout le monde. Et d'une actualité brûlante. Brûlante est le mot. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, la réunification allemande, l'histoire de l'Allemagne entre l'année 0 1945 et puis cette réunification qui intervient en 1990. Il faut rappeler le début de cette histoire. Les 8 et 9 mai 1945, l'Allemagne vaincue a été obligée de capituler sans condition à l'issue d'une défaite militaire totale du fait de la coalition écrasante qui s'est constituée contre elle. Cette Allemagne, elle va être divisée en quatre zones d'occupation, telles que cela avait été défini d'abord à Téhéran. Là, il s'agissait que de trois zones, puis ensuite à Yalta et enfin à Potsdam. Elle va être placée sous administration militaire alliée. Hitler est mort, bien sûr. Le Reich de Milan a disparu. Le pays est en plein chaos. Les villes sont détruites. Les réseaux de communication ont détruit aussi. C'est la misère et c'est la faim pour l'immense majorité des Allemands. Les Allemands subissent les viols que l'on connaît, aussi bien du fait de l'armée rouge que des armées alliées à l'ouest. Cette Allemagne, c'est une Allemagne totalement vaincue, un peuple qui est coupable et perçu comme tel, et qui va se considérer d'ailleurs comme tel au lendemain de ce conflit. Et puis, 45 ans après, 1990, c'est la restauration de l'unité allemande, après 45 ans où il a fallu accepter la tutelle des vainqueurs, la division en deux du pays. Et puis 45 ans après, eh bien, on a affaire à un peuple pacifique, prospère, désormais moralement insoupçonnable, dans la mesure où il a intégré la culpabilité qui est la sienne au lendemain de la guerre, un peuple à propos duquel le président Weizsäcker à l'époque peut parler pour les événements de 1945 de libération par rapport au régime hitlérien. Une Allemagne qui a réalisé au cours de ces deux générations son long chemin vers l'Occident, qui a oublié cette voie particulière dont parlait Bismarck, d'une Allemagne située entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Mais revenons au début de toute cette histoire. La capitulation donc est intervenue les 8 et 9 mai. Le 5 juin 1945, les Alliés, considérant l'absence de pouvoir central en Allemagne, vont s'octroyer une autorité totale sur le pays, avec les pleins pouvoirs politiques et militaires. Tout cela est confirmé lors de la conférence de Potsdam au mois d'août. Hein. Les Alliés vont prévoir un programme de dénazification, de démocratisation, de décentralisation, voire de démantèlement de l'économie, puisqu'il s'agira de récupérer les réparations que l'on entend faire payer à l'Allemagne au profit de ses vainqueurs et de ses victimes. Alors le territoire allemand en droit à l'époque demeure celui de 1937, hein, avant les conquêtes hitlériennes de l'Anschluss, des Sudètes, etc. Mais de facto les choses sont différentes, puisque polonaises et soviétiques occupent toute l'ancienne partie
orientale de l'Allemagne et que des frontières nouvelles de fait sont fixées sur la fameuse ligne Oder-Neisse qui constitue aujourd'hui la frontière orientale de l'Allemagne. Il faut ajouter à cela l'expulsion de fait de 12 millions d'Allemands des territoires de l'Est, des Allemands qui fuient dans des conditions particulièrement difficiles devant l'armée rouge. Il faut ajouter à ça des nettoyages ethniques massifs intervenus notamment en Tchécoslovaquie, mais aussi en Roumanie, mais aussi pour les Allemands du Banat par exemple. Il faut ajouter 7,5 millions de prisonniers, dont les derniers rentreront en Allemagne seulement en 1955. Dans les quatre zones d'occupation, on va appliquer la politique définie par le Conseil de contrôle interallié, mais il y aura des différences selon ces zones. Il est clair que dans la zone française, mais surtout dans la zone soviétique, on va avoir la main beaucoup plus lourde, notamment en ce qui concerne le démantèlement des entreprises, par exemple. Partout, on va mettre en œuvre la politique de dénazification prévue à Potsdam. C'est l'époque où tous les Allemands vont être invités à remplir le fameux questionnaire qui a fait la matière d'un livre célèbre d'Ernst von Salomon, afin de savoir quelle avait été leur attitude pendant les 12 années du régime hitlérien. C'est l'époque où les camps de concentration hitlériens vont resservir, mais pour qu'ils soient incarcérés un certain nombre de suspects, des camps de concentration qui sont aussi le théâtre de drames de grande ampleur, celui de Sachsenhausen par exemple, sur le territoire d'occupation soviétique. Il y aura 12 000 morts dans ce camp, survenu après la capitulation du mois de mai. Alors voilà donc le tableau, il est particulièrement catastrophique. L'Allemagne est à la merci des vainqueurs, parfois ceux-ci ne sont pas forcément toujours d'accord entre eux. Konrad Adenauer a été nommé maire de Cologne par les Américains le 4 mai 1945, mais il est destitué par les Britanniques le 6 octobre par exemple. Puis progressivement, les alliés vont autoriser les partis considérés comme démocratiques, mais tout en gardant le contrôle de la situation. On va organiser des élections locales, puis régionales, mais pas d'élections nationales, car il y a des divergences entre les vainqueurs quant à ce que doit être le statut final de l'Allemagne. Alors les choses se passent différemment selon les zones d'occupation. Les soviétiques vont placer partout des hommes du Parti communiste allemand, du KPD, dans leur zone d'occupation, dès juin 1945, puis en avril 1946, ils vont obliger les responsables du Parti social-démocrate, le vieux SPD installé dans leur zone, à fusionner avec le Parti communiste. Tout cela va constituer la SED, qui va être le futur parti unique que connaîtra l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, jusqu'en 1980. Du côté occidental, les Anglais, les Américains, les Français favorisent la CDU, le parti chrétien démocrate d'Adenauer, dont nous avons parlé, le FDP, le parti libéral, également le SPD, le parti social-démocrate. Donc il y a un certain pluralisme qui reste bien sûr sous contrôle, mais pluralisme tout de même, on le voit à travers les gouvernements qui sont désignés dans les différents Länder. En revanche, à l'Est, chez les Soviétiques, très vite, le SED au pouvoir va régner sans partage. On va créer pour la circonstance un bloc démocratique antifasciste, puis un front national au sein duquel on va avoir un parti paysan démocratique, un parti national démocratique qui sont en fait des simples couvertures, mais qui dépendent en réalité déjà du pouvoir communiste. Il s'agit simplement de prévenir une éventuelle résistance des ruraux à la collectivisation à venir. À l'Ouest, il est difficile de trouver un personnel politique pour encadrer la future Allemagne qui va naître. Adenauer, l'homme fort de la période, c'est un ancien de la République de Weimar, ancien bourgmestre de Cologne. Il a 69 ans en 1945. Alors, il y a des émigrés anti-nazis qui reviennent, qui vont occuper un certain nombre de fonctions, mais on va réintégrer de fait d'anciens membres du parti nazi, ceux qui sont les moins voyants ou les plus
présentable, alors qu'à l'inverse, dans la zone soviétique, l'antifascisme est un élément de légitimation du système. On met en avant les victimes du système, hein, et on pourra dire de la République démocratique allemande qu'elle a été aussi une dictature des victimes du Troisième Reich. Alors, la division qui va intervenir entre les deux Allemagnes, qui va se mettre en place en 1948-49, elle n'a pas été véritablement programmée à l'origine, à l'issue de la guerre. Elle va s'établir progressivement. Parce que les Alliés ne vont pas réussir à s'entendre quant au statut de l'Allemagne. Staline veut absolument conserver sous son contrôle l'Allemagne de l'Est, la zone soviétique, car elle constitue pour lui une sorte de glacis soviétique très avancée vers l'Ouest. Hein. Staline, à l'issue de la guerre, il a des préoccupations avant tout géopolitiques, même si le terme n'est pas utilisé. Hein. Il veut mettre à l'abri le territoire soviétique de la mauvaise affaire qui lui est arrivé en 1941, il veut pousser le plus loin possible en Europe centrale le contrôle de l'URSS. À l'Ouest, on va avoir une administration économique dans un premier temps, puis un conseil parlementaire qui va être constitué par les assemblées des différents Länder dans les trois zones, et puis finalement le 23 mai 1947, 49, pardon, on va faire naître la République fédérale allemande, de la RFA, hein, avec une constitution provisoire, supervisée bien sûr par les Alliés. C'était devenu de fait inévitable, car à la fin de 1947, les ministres des Affaires étrangères des différentes puissances victorieuses se sont réunis pour la dernière fois, et sans qu'on ait réussi à régler la question allemande. Hein. Staline ne voulait pas d'élection générale sur l'ensemble du territoire allemand, car il se doutait bien qu'elle tournerait à l'avantage des autres partis que le Parti communiste, et il comptait bien garder la main mise sur ce qui allait devenir l'Allemagne de l'Est. L'affaire n'est pas terminée pour autant, puisque entre juin 48 et mai 49, Staline va tenter l'épreuve de force avec le blocus de Berlin. Hein, il espère récupérer l'ensemble de Berlin. Il pense que les alliés occidentaux laisseront faire, laisseront passer. Non, Truman, l'Américain, riposte avec le fameux pont aérien rien que l'on sait, qui va durer donc presque une année et qui va décourager finalement Staline. Alors du coup, 1949 va voir la naissance de deux États allemands. Hein, ce sera le cas pour la République fédérale allemande le 23 mai 49 et ce sera le cas en réaction le 17 octobre 49 pour la République démocratique allemande. 49 donc, c'est l'année de la grande rupture entre les deux Allemagnes. Hein, deux Allemagnes qui conserveront d'ailleurs le même drapeau tricolore, qui était le drapeau aux couleurs de la Révolution allemande de 1848, hein, jusqu'en 1959, mais qui auront d'emblée deux hymnes différents, et puis surtout qui vont se trouver intégrés aux deux blocs de la guerre froide, avec des régimes qui sont évidemment inconciliables. Hein. À l'Est, les communistes, évidemment, sont les maîtres. Ils ont mis en place la constitution de la RDA de 1949. La République fédérale, elle a connu un statut d'occupation draconien jusqu'en 1949, mais elle va pouvoir commencer à disposer d'une relative autonomie à partir de cette date. Hein. Mais dans les deux cas, les deux Allemagnes restent évidemment occupées par les forces des vainqueurs, qui sont évidemment tout à fait nombreuses. Et puis cette situation va finalement être confirmée quand on va arriver en 1954-55, qui voit d'une part la République fédérale rejoindre l'Alliance Atlantique et l'OTAN, et d'autre part en 55 l'Allemagne de l'Est être partie prenante au pacte de Varsovie qui se constitue alors. Alors évidemment,
Dans tout cela, les Alliés conservent un contrôle, les droits réservés qu'ils se sont attribués à Potsdam seront maintenus donc pendant encore les années suivantes, et puis il n'y aura pas de traité de paix surtout jusqu'à la réunification. Deux modèles donc qui vont s'opposer, d'un côté l'Allemagne de l'Ouest d'Adenauer qui va gouverner de 49 à 63 la RFA, Adenauer qui est un anticommuniste mais également un anti-nationaliste qui avait été opposant au nazisme dans les années 30. Il va être le leader de la CDU, de la démocratie chrétienne allemande. Cette Allemagne de l'Ouest, elle va connaître rapidement un miracle économique. C'est à son propos que l'on parlera en premier de miracle durant ces années-là, hein, avec un redémarrage spectaculaire à la faveur des 30 glorieuses, de la reconstruction, à la faveur du développement de ce qu'on va appeler, avec le successeur d'Adenauer, Ludwig Erhard, l'économie sociale de marché, au point que la République fédérale allemande va revenir assez rapidement au rang de première puissance industrielle, de première puissance économique d'Europe. Ce qui constitue, il faut bien le dire, un redressement tout à fait spectaculaire. À l'inverse, du côté est-allemand, eh bien, c'est le modèle soviétique que l'on va chercher à appliquer avec la nationalisation de l'économie, la primauté donnée à l'industrie lourde. D'une certaine manière, l'Allemagne de l'Est va être un peu un modèle dans le camp socialiste, c'est elle qui obtiendra les meilleurs résultats, mais elle a beaucoup plus souffert au début du pillage organisé par l'URSS que sa voisine ouest-allemande, car les Américains, très vite dans le contexte de la guerre froide, ont bien vu tout l'intérêt qu'il y avait à maintenir les capacités d'une Allemagne de l'Ouest qui était la marche avancée en Europe face au bloc soviétique. Et puis l'Allemagne de l'Est, elle est handicapée aussi parce qu'il y a quand même 4 millions d'Allemands de l'Est qui vont fuir vers l'Ouest jusqu'en 1961, date à laquelle va se dresser le mur de Berlin. Au fil du temps, la réunification apparaît de plus en plus incertaine. L'Allemagne de l'Ouest, en effet, rejoint la communauté européenne charbon-acier en 1950, le marché commun en 1957, l'OTAN en 1955. Et du côté de l'Allemagne de l'Est, eh bien, celle-ci rejoint le Comecon du bloc soviétique en 50 et le pacte de Varsovie, on l'a dit, en 1955. Pendant toutes ces années-là, il y a un certain consensus politique qui s'installe en RFA, qui va poursuivre son chemin tranquillement vers la prospérité. En RDA, en revanche, il faut compter avec le soulèvement de juin 1953, quand les ouvriers berlinois s'insurgent contre l'occupant soviétique. Bien sûr, il y aura ensuite l'épisode du mur, et puis enfin la crise finale de 1989. Cela dit, la RDA octroie un certain nombre d'avantages à ses citoyens en matière de sécurité sociale, en matière d'emploi, ce qui expliquera peut-être en partie l'ostalgie connaîtront certains après la réunification. Du côté de l'Ouest, les choses bougent à partir dès la fin des années 60, avec l'arrivée aux affaires des sociodémocrates, notamment Willy Brandt, qui va mettre en œuvre une ostpolitik de rétablissement des contacts avec les soviétiques, avec les démocraties populaires de l'Est, y compris avec la RDA en 1972. Alors cela dit, les échanges là seront à sens unique dans une large mesure, à savoir que les Allemands de l'Ouest pourront aller en Allemagne de l'Est, après Willy Brandt, mais l'inverse ne sera pas vrai, et la RFA sera même en situation durant ces années-là de racheter 34 000 personnes à la RDA pour qu'ils puissent partir vers l'Ouest. Mais en même temps, l'aspiration à l'unification se dissout quelque peu à l'Ouest. Le patriotisme, il est maintenant un patriotisme constitutionnel, hein, fondé sur les droits de l'homme, etc., et non plus un patriotisme national. Et de ce fait, la perspective de l'unité semble s'éloigner, l'Allemagne semble profondément divisée pour longtemps.
Il faut 1989 et la révélation de la fragilité de la RDA au cours de l'été, quand via la Hongrie, c'est une véritable hémorragie de populations qui se déversent vers l'Autriche et puis vers les pays de l'Ouest, dans un contexte où l'URSS est quand même profondément affaiblie après quelques années du gouvernement de Gorbatchev, hein, et dans un contexte où l'Église protestante en Allemagne de l'Est va prendre un petit peu la tête de la contestation. Hein. C'est l'époque notamment des manifestations du lundi à Leipzig, manifestations du lundi qui en rappellent d'autres plus récentes. C'est l'époque où Honecker, la figure dominante en Allemagne de l'Est, est obligé d'abandonner le pouvoir. Et on sait ce qui intervient le 9 novembre 89 avec la chute du mur de Berlin. Helmut Kohl va jouer au mieux de la situation nouvelle qui a été créée avec des partenaires incertains. Gorbatchev au début est très prudent, Madame Thatcher est clairement hostile à une réunification allemande, François Mitterrand l'est aussi mais d'une manière plus discrète. En revanche, George Bush lui est favorable, à condition bien sûr que l'Allemagne dans son ensemble reste dans l'OTAN. Alors les choses vont se précipiter, hein, au cours de l'année 1990 pour aboutir le 3 octobre à l'unification. Entre temps, il y a eu le traité 2 plus 4 entre les deux Allemagnes et les quatre puissances victorieuses de 1945. Hein. L'Allemagne va être de nouveau unie et souveraine, mais à condition d'accepter la frontière Oder-Neisse à l'est et à condition de rester dans le cadre de l'OTAN. Alors on a dit que cette réunification allemande 1945-90, c'était l'histoire d'une réussite, ce qui est quand même nuancé. L'Allemagne a perdu un quart de son territoire de 1937, Königsberg est russe aujourd'hui, Danzig et Breslau sont polonaises. Il y a 16 millions d'Allemands des territoires de l'Est qui n'y sont plus, c'était un recul massif du germanisme issu de la Seconde Guerre mondiale. La Prusse a disparu de la carte alors qu'on sait le rôle qu'elle avait joué dans l'histoire allemande, et l'Allemagne à l'évidence n'est plus une grande puissance en termes politiques ou géopolitiques, même si elle reste une très grande puissance sur le plan économique. Hein, sa souveraineté est limitée, notamment en matière militaire. Sa mémoire est contrôlée avec l'instauration d'une culpabilité collective qui a été complètement intégrée par l'opinion allemande. Mais il faut se méfier des situations établies. Personne n'aurait prévu quelques années auparavant qu'interviendrait la réunification de 1990. Et en histoire, il faut toujours se placer dans la longue durée. Peut-être que le souci d'avoir à relever de nouveaux défis va encourager l'Allemagne à se tourner de nouveau vers les voies de la puissance. Et comme on dit, j'aime tellement l'Allemagne que j'aimerais qu'il y en ait 50. Non, non, le général de Gaulle disait simplement qu'il y en ait 2. Voilà. Ah, bon. Bon, je croyais que c'était sûr. Mais il fut une époque où il y en eut, au 19e siècle, jusqu'à 40 avant oui, une été réalisée par Bismarck, pour ne pas dire plus de 300 au 18e siècle. Merci Philippe. Et maintenant, restez avec nous après une courte pause. Gaspard Félix Tournachon. Ce nom vous dit peut-être quelque chose? Eh bien, c'est Nadar, bien sûr. Nadar, le plus grand photographe du 19e siècle et photographe au niveau mondial. Il n'y avait pas l'équivalent dans le monde entier. Alors, Nadar, enfin Gaspard Félix, il naît dans la petite bourgeoisie. Son père est imprimeur, vaguement éditeur. Il a un petit frère de 5 ans plus petit que lui, qui s'appelle Adrien. Et il naît à Paris. Et puis, son papa va l'envoyer faire des études comme interne à Versailles. Et spécialement, quand la situation va devenir plus dure, le père va faire faillite. Donc, toute la famille repart à Lyon, sauf l'aîné, Gaspard Félix, qui reste à Versailles comme interne. Et c'est pas très drôle d'être interne et d'être pauvre, d'une famille pauvre. Il rejoint sa famille après le bac à Lyon et commence des études de médecine. C'est un esprit scientifique, celui qu'on va déjà appeler Nadar. Et malheureusement, le papa meurt quand il a 17 ans.
Et donc, fini les études de médecine, c'est trop long. Il va devoir retrousser ses manches et faire vivre sa maman et son petit frère. Et alors là, commence une vie de bohème. Il part à Paris et il fréquente justement toute l'équipe de la bohème. Vous savez, Henri Murger, ce club qui s'était appelé par dérision les buveurs d'eau, parce que tout simplement, ils n'avaient pas l'argent pour boire autre chose que de l'eau. Alors, ses copains, ça sera Gérard de Nerval, ça sera Baudelaire, Théodore de Banville, c'est des grands noms déjà. Et c'est vraiment une vie de bohème où le prochain repas n'est jamais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait pour survivre? Eh bien, un petit peu tout, en fait, un petit peu tout. Mais il commence à dessiner, il dessine très bien, c'est un caricaturiste, il croque très bien les visages. Et puis, il écrit des articles, il va même écrire un roman un petit peu oubliable qui s'appelle « La robe de Déjani ». Je suis sûre que vous ne l'avez pas lu, moi non plus. Il devient brièvement secrétaire de Charles de Lesseps. Alors, ce n'est pas Ferdinand, c'est Charles, c'est un journaliste. Puis il devient clochard dans les années vraiment de vache maigre. Il devient contrebandier un petit peu, encore de la contrebande. Enfin, il est engagé par le Charivari. Là, ça lui donne un petit peu de ouf, il peut manger à tous les repas, et puis il pourrait rester au Charivari. Et ben non, on est en 1848, quelle va être son idée inattendue? Il va s'engager dans la Légion polonaise et il part avec son petit frère. Alors ils se font appeler Nadarski, avec une sorte d'uniforme vraiment bricolé et bizarre. Et ils partent en Pologne pour se battre aux côtés des Polonais, il y a une insurrection polonaise, une des trois ou quatre. – Une de plus. – Une de plus. La deuxième au XIXe siècle. – La deuxième, pas très importante. D'ailleurs, il se fait faire prisonnier tout de suite par les Prussiens à Magdebourg, et il va être envoyé dans une mine de sel, d'où il s'évade, parce que quand même, il est dégourdi. Il fait même évader le petit frère, et… Il pourrait rentrer par le train ou tout ça. Non, il met un point d'honneur à rentrer à pied depuis Magdebourg jusqu'à Paris. Et là, il a pris goût à la grande histoire, donc il va voir le ministère des Affaires étrangères, où c'est un personnage connu, c'est Jules Herzl, vous savez, l'éditeur de Jules Verne, qui l'envoie comme agent secret pour surveiller les positions prussiennes. Bon, c'est pas trop son truc quand même, c'est pas un agent secret de tout premier plan. Il revient, pour le coup, il est complètement ruiné, il va en prison pour dette, mais qu'à cela ne tienne, dans la foulée, comme il recule devant rien, Nadar, il lance une revue extrêmement chic qui s'appelle Le Livre d'Or. Alors, il a des signatures extraordinaires, il a Baudelaire, il a tous les grands noms. Mais bon, il en vend 4 numéros, quoi. Puis après, évidemment, ça s'arrête. Et il va alors se lancer dans la photo. Et c'est seulement à ce moment-là. D'abord, l'idée, c'était venue de son grand projet qui était le Panthéon des gloires de la France, mais par dessin, par portrait, par caricature. Et puis la photo, il se rend compte qu'il est doué, ça l'intéresse. Au début, il méprise un peu la photo, il dit apprendre à dessiner, c'est difficile. Par contre, la photo, il suffit d'appuyer sur un bouton, n'importe quel crétin peut le faire. Eh ben non. Mais parce qu'il va devenir un excellent photographe et il va s'attacher à capturer l'âme des gens. Tellement bien que Balzac, méfiant, je ne connaissais pas Balzac sous cet angle-là, va dire « Ouh, j'ai l'impression qu'il vole les spectres de mon âme ». C'est-à-dire, vous savez, un peu comme en Afrique, tu voles mon âme, quoi, si tu me photographies. Ça a dû se passer puisqu'il est mort très peu de temps après Balzac, en 1850. Alors il va photographier tout le monde. Je vous donne une liste non exhaustive. Steve, Jules Verne, Manet, Rossini, Offenbach, Mistral, Alphonse Daudet, Zola, Sarah Bernhardt, Cléo de Mérold, George Sand, Corot, Courbet, Wagner, Victor Hugo, bien sûr, incontournable, Liszt, Berlioz, Baudelaire, son vieux copain, Bakounine, Maupassant, Leuffeler, Gustave Doré, enfin, tout le monde passe dans l'atelier de Nadar. Et qui est au 113 rue Saint-Lazare, avec un studio très très bien installé. Puis plus il a de succès, plus il se rapproche du Paris chic, et il va s'installer 35 boulevard des Capucines,
juste en face du Grand Hôtel et du Café de la Paix. Et il avait une petite sonnette qu'il prévenait quand une star, entre guillemets, arrivait au Café de la Paix, au Grand Hôtel, et il allait le photographier. Enfin, il faisait traverser le boulevard des Capucines et il le photographiait. Mais finalement, ce qui va le plus le passionner dans sa vie, c'est pas la photo, curieusement, c'est les ballons. Les ballons captifs ou les ballons libres, l'aérostation. Et il va inventer la photo aérienne. Il sera le premier à prendre une photo aérienne. On est en 1858 et c'est extraordinaire. On a la première photo des alentours de Paris. C'est du côté de Clamart. Et il va même avoir l'idée d'utiliser ça en temps de guerre. Alors, ça ne sera pas lui qui aura l'idée des pigeons voyageurs avec un appareil photo attaché sur le pigeon. C'est un Allemand, mais il en était pas loin. Et puis, c'est un visionnaire aussi, parce qu'il imagine déjà que le plus lourd que l'air, on n'a évidemment pas encore l'avion, mais ça avancera par une hélice. Eh bien, il était visionnaire quand même. Il va investir tout l'argent qu'il a gagné dans la photo dans les ballons, et il va faire construire un énorme ballon qui s'appellera le Géant, dans lequel il monte avec sa femme, parce qu'entre-temps, il s'est marié et il a eu un petit garçon, Ernestine. Eh bien, Ernestine, elle suit. Et elle suit, elle a aussi ouvert un studio de photo, enfin, elle suivra jusqu'à ce que la maladie, malheureusement, l'arrête un peu. Et ils vont avoir un terrible accident en Allemagne, parce qu'ils font une tournée avec le Géant, ils font une tournée dans toute l'Europe. D'ailleurs, à ce propos, en Belgique, à Bruxelles, on lui demande de créer des barrières pour contenir la foule. Et bien, ces barrières, elles existent encore, elles s'appellent les barrières Nadar. Il va avoir un accident, le ballon va tomber violemment et être traîné sur 4 km avec eux dedans. Donc elle a la cage thoracique enfoncée, lui il a les deux pieds cassés, je compatis, ils vont être blessés quand même assez sérieusement. Et puis surtout il perd beaucoup d'argent parce que c'est un gouffre cette histoire de ballon. N'empêche que pendant la guerre de 70, le ballon qui va servir à Gambetta, il appartient à Nadar. Il s'appelle l'Armand Barbès. Mais ça va finir de le ruiner complètement. Alors, au point de vue personnel, c'est le moment un petit peu difficile. D'abord, son frère, le petit frère, qui n'était pas très reconnaissant, a essayé de lui piquer son nom. Donc, ils ont fait un procès que Nadar a gagné. Puis, il y a le fils, Paul, qui ne va pas être très sympathique non plus avec ses parents quand les parents vont avoir des ennuis d'argent. Donc, il va partir à Marseille, il quitte Paris, il s'installe, il installe sur la Canebière un studio Nadar. Il a eu un petit coup de cœur, alors que jusque-là c'était un bon mari, il a eu un petit coup de cœur pour une jeunette, hein, c'est le démon de midi, surnommée Calinotte. Il va à Naples avec elle 6 mois, et puis sa pauvre femme, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose, fait une hémiplégie, enfin elle a un AVC, donc elle reste paralysée, et comme c'est quand même un bon garçon, il revient pour s'occuper d'elle, et il va s'occuper d'elle ben, jusqu'à la fin de sa vie. Ils vont vivre jusqu'à 90 ans, hein. Il va mourir en 1910, plus beaucoup d'argent, il s'installe dans la forêt de Sénart, alors il s'occupe de sa femme, il la nourrit, il la nettoie, tout ça très gentiment. Et puis j'ai oublié de vous dire, c'est un homme de gauche, il va toujours rester de gauche, très opposé à l'empereur, et il va accepter dans sa maison de la forêt de Sénart tous ceux qui sont en délicatesse avec le pouvoir. Il est connu pour accepter la gauche de la gauche. Il va bien se faire avoir d'ailleurs, parce que c'est valeureux révolutionnaires vont boire sa cave, vont bien en profiter, mais il reste un homme généreux quand même, foncièrement gentil. Et puis sa devise, eh ben c'était quand même, ce qui est pas mal, ce qui va être pris par Sarah Bernhardt, donc ça sera aussi la devise, quand même. Chapeau, monsieur Nadar. Comme je l'ai annoncé, donc, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Jacques Doucet, qui a écrit un roman historique, La Sixième Heure, dont le cadre se situe dans l'Espagne du haut Moyen-Âge, dans l'Espagne du IXe siècle, hein, c'est-à-dire que nous sommes à une époque marquée par les débuts de ce que l'on appellera plus tard la Reconquista, hein, et qui portera les chrétiens jusqu'à Grenade en 1492. Mais l'épisode que vous
évoquez, Jean-Jacques Doucet, évidemment, est davantage situé sur une période bien précise, puisqu'il s'agit du IXe siècle. Alors, vous n'êtes pas un historien ni un romancier de métier à l'origine, puisque vous êtes militaire. Vous avez été militaire, vous avez servi à la Légion étrangère, dans les forces spéciales, et je crois que vous avez eu l'occasion d'intervention sur différents théâtres d'opérations qui ont marqué beaucoup l'actualité en leur temps. Puisque on a eu, vous êtes intervenu où ça ? Bien, la première intervention que j'ai faite, bonjour d'abord. La première intervention que j'ai faite se situait en Somalie. J'ai faite au sein de la Légion étrangère et nous avions libéré un quart d'enfant, de 27 enfants pris en otage par des musulmans, le FLNCS. Et parmi ces otages, deux fillettes avaient été tuées, dont je parlais tout à l'heure en dédicace. – Oui, oui, vous dédicacez ce livre à ces deux petites filles. Voilà, – oui. C'est une innocence, c'est absolument insupportable. Oui, Et mon dernier souvenir militaire, je dirais, m'a beaucoup marqué, dans ce sens où j'ai un ami, j'étais déjà à la retraite. Ce mot est insupportable pour un militaire, d'ailleurs. Non, un militaire n'est jamais à la retraite. Donc j'ai perdu un ami qui a été pris en otage en Somalie, qui restait plus de 3 ans otage chez les Chebabs, et qui a eu la chance de mourir libre dans sa tête, c'est-à-dire qu'il a été exécuté pratiquement dès le début de l'attaque. Oui, car il y avait une opération justement organisée pour le libérer. Tout à fait. C'est à peu près à l'époque de l'intervention au Mali, d'ailleurs, autant que je me souvienne. C'est tout à fait ça. Mm. Et je dirais que autant ces deux fillettes que lui sont morts, et c'est une chose normale. C'est une chose normale parce que l'imam Kairawani a écrit dans une épître sous le rite malékite, a écrit « Il n'y a pas l'inconvénient à tuer des prisonniers de race blanche non arabe qu'on aura fait ». Donc ça répond à une logique tout à fait normale, non surprenante, et qui est d'autant plus terrible. Oui, et dont on a vu les effets aussi récemment à l'échelle que l'on sait. Alors en fait, vous êtes évidemment extrêmement modeste. Entre autres choses, je rappellerai aussi que c'est vous qui avez dirigé les opérations lors de la prise d'otages d'Ouvéa. Enfin, j'avais un général qui En Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Bon, alors, venons-en donc à la sixième heure. Pourquoi cet intérêt vers cette Espagne de la Reconquête, vers cette période bien précise qui voit le petit royaume asturien tenter de desserrer l'étau de la présence musulmane qui le menace? Alors, pour écrire ce livre sur un sujet qui est brûlant, je dirais, j'ai cherché dans l'histoire non écrite, puisque rien n'est écrit sur l'islam à cette période qui a duré 8 siècles. Il y a un silence monstrueux de 8 siècles d'histoire dans ce domaine. Et donc, j'ai cherché, de manière en légitime défense quand j'écrivais, une période donc, où nous étions attaqués. Et nous avons été attaqués pendant 8 siècles. L'Europe occidentale en général, et auparavant, depuis la mort de Mahomet. Je me suis servi d'un roman, parce que pour moi, le roman représente la manière de parler la plus confidentielle. On est toujours en présence du lecteur, même si on ne le connaît pas, on partage, et en partageant, on avance un peu mieux. Et donc j'ai dénoncé au fur et à mesure de ce roman, petit à petit, tous les versets colériques du Coran qui dévoilent en finale l'islam d'hier et d'aujourd'hui. C'est ça, les permanences dans la tradition islamique en matière de djihad, de guerre contre les infidèles. Nous sommes effectivement tout à fait dans un contexte actuel. Alors c'est un roman, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez rapidement nous résumer l'histoire, en quelque sorte ? Oui, alors c'est en fait, l'histoire est simple.
Ce sont les approches personnelles, c'est une histoire d'une marche vers d'envoyés spéciaux, on dirait aujourd'hui, Dominici, aurions-nous dit il y a quelques siècles auparavant. Et dans cette approche, c'est une histoire qui est dans un cadre réel, et les personnages centraux sont les seuls qui soient inventés, mais qui répondent aux critères de l'époque. Et donc, c'est sur décision d'un pape, Sergius II, et d'un roi, Charles le Chauve, il a été décidé d'envoyer une mission qui partirait de Septimanie, c'est-à-dire du Languedoc-Roussillon, et qui irait jusqu'aux Asturies, dans les Asturies. Pourquoi les Asturies? Parce que ça a été la région forte qui a initié la résistance à l'islam. Et voilà. Voilà, hein, il faut rappeler pour nos téléspectateurs, effectivement, que la conquête musulmane a été assez foudroyante, c'est une blitzkrieg. À partir de 711, la quasi-totalité de la péninsule ibérique est tombée sous la coupe des conquérants. Seuls vont résister des régions montagneuses, des régions boisées qui vont servir de refuge, hein, avec en 722 la victoire de Covadonga remportée par Pelayo, première victoire de l'histoire de la reconquête est perçue comme telle dans la mémoire espagnole, hein, Covadonga qui se trouve dans les monts cantabriques. Et ensuite, c'est ce réduit asturien qui va être la base de départ de la reconquête qui va s'avancer progressivement vers le sud, hein, avec des capitales, Cangas de Onís d'abord, Oviedo ensuite. Et puis, quand la reconquête prendra tout son élan, eh bien, ce sera León qui deviendra le centre de gravité de cet effort de reconquête, mais une reconquête qui va être longue, laborieuse, difficile, surtout pendant cette période du Moyen-Âge. Hein. Il faut attendre d'avoir passé l'an 1000, il faut attendre le 11e siècle pour que progressivement le rapport des forces s'inverse, pour que la posture défensive de ces occupants du réduit asturien, on pourrait dire autant de la Navarre, soit remplacée par une capacité offensive contre un islam andalou, un islam ibérique qui se fragmente à l'époque. Hein, le califat de Cordoue disparaît en 1031 et ça va être évidemment une opportunité extraordinaire pour pousser la reconquête vers le sud. Alors là, tout ça intervient plus tard. Là, nous sommes au 9e siècle et vos personnages, ils partent, vous nous le dites, de Septimanie, qui est une région que vous connaissez bien. Hein, vous y habitez, d'ailleurs, je crois. Vous évoquez plusieurs lieux, Gélone, Agnane, qui sont des hauts lieux de l'époque. Quelle est leur mission exactement? Ils sont envoyés par le pape et par Charles le Chauve pour aller établir un contact avec le royaume asturien dans la perspective d'une lutte commune contre l'islam. Ils sont envoyés d'abord par le pape Sergius II, qui est le premier homme qui était le premier. Le pape, c'est le pape qui a été rencontré en premier, et qui a agréé à une demande qu'eux-mêmes faisaient, c'est-à-dire Miguel, le seigneur des Asturies, et Alcader, un moine anachorète de Copte, qui était au Mont Cassin en retraite, etc. Et donc ces deux personnages se retrouvent. Et vont demander au pape Sergius II de monter, je dirais, une sorte d'opération, on dirait aujourd'hui, pour faire un point de situation sur ce qu'il y a, ce qui se passe actuellement sur l'islam. Ensuite, sur demande de Sergius II, ils rencontrent Charles le Chauve, et de là, ils ont l'aval bicéphale, je dirais, d'un roi et d'un pape, pour définir, lancer cette mission d'Emissi Dominici. Alors Charles le Chauve, c'est le roi donc de la Francie occidentale depuis le partage de Verdun de 843. Et il faut rappeler que dans cette Francie occidentale, il y a la marche d'Espagne, c'est-à-dire en gros l'actuelle Catalogne, qui va devenir le comté de Barcelone, qui va depuis les Pyrénées jusqu'au cours du Llobregat, au sud
au sud de Barcelone, ça fait partie de la Francie occidentale. Et ce n'est qu'ensuite au Xe siècle que ces Catalans, hein, ce sont les futurs Catalans, prendront leur autonomie avec le comte Guifred le Velu, Guifred el Pilos en catalan, ils prendront leur autonomie par rapport à Charles le Chauve, par rapport au pouvoir carolingien, ou plutôt au successeur de Charles le Chauve, parce que le pouvoir carolingien, il n'est plus en mesure de leur apporter de l'aide par rapport à cette menace musulmane qui est permanente, évidemment, puisqu'à l'époque, les musulmans sont installés à Saragosse, hein, c'est-à-dire tout près de cette région qui est une sorte d'avancée chrétienne vers le sud. Et alors leur mission, alors ça va se passer comment ? Alors cette mission est une mission, disons, dangereuse du fait de l'éloignement de toute base amie. Mm-hmm. Et elle se passe de la manière suivante, comme ça se passerait aujourd'hui. Une période de regroupement des personnes qui s'est faite à Gélone, mm-hmm. Qui s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert aujourd'hui. Saint-Guilhem-le-Désert aujourd'hui, voilà. Et qui regroupe tous les participants, plus une quinzaine d'archers qui accompagneront cette mission. Donc c'est une mission où tant les chevaliers de l'époque que les hommes du peuple partagent les mêmes peines, les mêmes efforts, les mêmes joies, et avancent ensemble. Mm-hmm. 15 archers, ça paraît bien dérisoire. Tout à fait. Au vu des forces. Exactement. Mais c'est une force. Hein. C'est une force aussi dans ce sens où c'est plus discret et on arrive à s'infiltrer plus facilement. Oui, et le but n'étant pas de faire la guerre, mais d'apporter du renseignement. Oui, un petit commando, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Et alors, ils vont à travers entre la Septimanie et les Asturies, donc il faut passer par le massif pyrénéen, la Navarre, qui va pas tarder à se constituer. Ça va se passer comment pour cette petite unité ? Alors, pour cette petite unité qui arrive dans la Narbonnaise à un moment donné, leur idée initiale était de passer par le pays catalan, par la Marche, et de rejoindre par l'Espagne directement les Asturies. Mmh. Et en fait, à cette époque-là, en 843, il y a eu une grosse pression de cette marche par les musulmans. Mmh. Et ils ont changé d'itinéraire et sont passés par Roncevaux, sur des voies qui étaient pratiquées par Charlemagne et... Et oui, l'insuccès que l'on connaît quand Charlemagne est passé par Roncevaux au retour de son expédition d'Espagne. Et il rencontre après, en cours de route, il rencontre le monde basque qui l'aide à franchir les Pyrénées. Mm-hmm. Et le monde basque qui est un monde... j'aime beaucoup les Basques, ce sont des gens courageux et qui ont le génie du chant. Mmh. Et qui à l'époque commençaient à basculer dans la chrétienté et ont été, après avoir causé quelques douleurs à Charlemagne, ont été des alliés forts et fidèles à l'Occident contre l'islam. Oui, ils sont de fait rattachés à ce qui va devenir le royaume de Navarre, qui va être l'un des pionniers dans la lutte contre l'islam. Et alors, ce qui se produit également à l'époque, alors en Espagne encore seulement, c'est qu'au début du IXe siècle, on a découvert en Galice le tombeau de Saint-Jacques. – Tout à fait. – Alors ça, évidemment, c'est un événement important dans l'histoire de cette période, de ce siècle. Ce n'est qu'ensuite que les pèlerinages en provenance de France au Xe siècle vont commencer, mais dès le IXe, il y a tout un mouvement de pèlerinage vers le tombeau de Saint-Jacques que l'on pense avoir découvert à Compostelle. Ça va entraîner une mobilisation, une exaltation des Espagnols dans la lutte contre l'adversaire musulman. Et on en a la meilleure preuve, vous l'évoquez dans votre livre, avec la bataille de Clavijo. Tout à fait. Alors la fin de l'aventure se termine en Asturie et à Compostelle, au moment même dont vous parlez, où on a initié les premiers pèlerinages. Donc c'est Saint-Jacques
contre l'islam, en fait, qui va, voilà, qui va armer moralement. Oui. Et il faut bien ça, parce que c'est ce que vous décrivez, manifestement, vous connaissez bien le Coran. Je connais le Coran, j'ai lu le Coran, oui. Oui, je suis appliqué à bien le lire. Sûrement très bien lu, parce que ce qu'on découvre, c'est quand même assez terrifiant. On a beau être au courant d'une façon ou d'une autre, mais là, il y a des phrases épouvantables. Oui. Oui, je crois que c'est ce qui vous a aussi beaucoup retenu dans ce sujet, c'est d'aller découvrir de près ce qu'a été la menace islamique au cours de ce Moyen-Âge, et puis de montrer, de mettre en lumière qu'il y a là quelque chose de permanent, quelque chose qui apparaît plus ou moins menaçant selon les périodes, selon les rapports de force qui s'établissent, mais qu'il y a une permanence quand même. On ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Vision de l'adversaire infidèle. – Tout à fait. Alors, c'est dans ce livre-là, donc, je me suis attaché à dénoncer les versets colériques du Coran. – J'aime bien cette expression, verset colérique. – Colérique, oui. C'est un moindre mot, je dirais, critique. En fait, qui dénonce… des incitations à la discrimination religieuse, des incitations à la haine. Je mesure mes mots parce qu'on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Il faut traduire exactement ce qui est exprimé. – Je crois que les termes sont… – Des incitations à la haine, des incitations au meurtre, des incitations à la guerre contre le monde chrétien, contre le monde juif, contre le monde des mécréants, c'est-à-dire que la France est particulièrement concernée. Des incitations au terrorisme, des incitations… au supplice décrit. La cruauté est incroyable. Et organisée, tout à fait. Et organisée, oui. Des incitations à la vengeance, au butin, c'est-à-dire au pillage, à la rançon, c'est-à-dire à la prise d'otage, des incitations à la ruse. Erdogan en est un produit extraordinaire. Oui, il est pas mal celui-là dans le genre. Oui, et à l'esclavagisme. Il y a eu quand même 17 millions d'esclaves africains par l'islam. Du fait de l'islam. Dont on ne parle jamais. Comme par hasard, quand on parle de l'esclavage, c'est toujours les blancs qui sont. Il faut renvoyer là au livre de Jacques Herz, Les négriers de l'islam, qui met bien en lumière ce phénomène. Alors, comme vous le dites très bien, Catherine, le plus souvent, on se contente des qui est la traite atlantique. Et quand Olivier Grenouillot a réalisé une synthèse d'ensemble sur l'esclavage, c'est un spécialiste parfaitement reconnu de la question, il a fait l'objet d'une véritable campagne de diffamation conduite par Mme Taubira, qui était indignée qu'il pût mettre en parallèle la traite atlantique du XVIe au XVIIIe siècle avec la traite musulmane et puis la traite locale africaine, qui était la condition nécessaire au départ de tous ces trafics. – En fait, il y a eu 17 000 millions d'esclaves traités par l'islam. Il y en a eu 11 millions par l'Europe. Voilà, c'est ça. Il y en a eu 14 millions en traite interafricaine. Voilà, et puis c'est difficile, ce dernier chiffre, sachant c'est difficile. Sachant qu'un esclave de trop, un esclave est déjà un homme de trop. Mais bien sûr, on parle de chiffres, là. Et puis, le traitement réservé aux esclaves des musulmans, c'était effrayant, je pense. Tout à fait. Aux eunuques, aux femmes. Les femmes dont ils demandaient à chaque fois d'avoir de l'autre femme par an, qui étaient demandées, 100 femmes aux Asturies, par exemple, qui était l'origine de la bataille du Clavero. Il faut rappeler à ce sujet que dans le Coran figurent des versets qui sont insupportables vis-à-vis de la femme. La femme est un animal presque. C'est un peu moins de valeur qu'un chameau, quoi. Voilà, elles se voyagent de la même manière d'ailleurs en Arabie Saoudite, elles sont derrière avec les chameaux. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe de nos jours avec Boko Haram en Afrique. Les jeunes femmes yézidis en Irak, dans la région de Sinjar, C'est pour ça que j'écrivais qu'à l'issue de cette lecture de ces versets, je n'arrive pas à faire la différence entre l'islam et l'islamisme. L'islamisme est un terme nouveau. Qui a été construit dans on devine quel but, mais je n'en vois pas de différence puisque tous deux ne font pas référence au Coran, ils sont le Coran. Bien sûr. Et
Quand je parle de soumission, j'emploie un mot, je dirais, pédagogique, mais en fait, il est faux. Parce que il s'agit d'un livre, le Coran, qui est éternel, qui est incréé, c'est-à-dire éternel, qui est unique, qui est sacré, qui est une récitation, c'est ce que veut dire le Coran, et qui est destiné à des musulmans qui sont des gens soumis par nature. On ne discute pas le Coran, on ne le commande pas, on le récite, on le psalmodie. On l'apprend par cœur. On l'apprend par cœur, et les enfants apprennent l'arabe classique dans le Coran. Donc ils sont imprégnés en même temps de tout ce dont on parle. Et donc ce ne sont pas des incitations dont on doit parler, mais de commandements, d'ordre divin. Et ce qui est curieux, c'est que tous ces ordres divins sont, par essence et par écrit, sont à l'opposé de notre culture et de nos lois. Il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Par corollaire, nul n'est censé ignorer ce qui est contre la loi. Or, il y a un silence nauséabond sur tout ce qui est écrit et qui n'est pas dénoncé. Ce grand silence insupportable a été une chose qui m'a poussé à écrire. Il faut éviter, cher ami, la stigmatisation qui pourrait s'abattre sur une communauté religieuse porteuse d'une religion de paix et d'amour, selon le discours officiel obligatoire. Alors, du politiquement correct. À ce sujet, j'avais cité comme première phrase, comme citation dans le roman, une citation de Ernst Wischert, qui est un romancier allemand qui a connu les camps de concentration, du moins à cette époque, et qui a le dénoncé en disant « Il avait fermé les yeux pour ne pas voir le mal sur cette terre, et c'est ainsi que le mal l'avait découvert, virgule, sans défense. » C'est-à-dire aujourd'hui, nous fermons les yeux et nous serons victimes, et nous sommes victimes. – De la politique de l'autruche. – Je crois que tout est dit. – Pas seulement l'autruche, enfin, excusez-moi. – Mais pire encore. – Les trois singes de la sagesse. Celui qui ne voit rien, celui qui n'entend rien, et celui qui ne parle pas. À eux trois, ils représentent l'enfermement français actuel, officiel, que vous évoquez. Et l'important est de sortir de ce silence. Et ce silence étant conforté par des singes adorables, ils sont adorables, ces singes-là, ils sont toujours bien dodus, bien sympas, etc. Mais ce qui est caché derrière leur silence, en fait, est terrible. Et les politiques actuelles, sans citer de nom, mais ils se reconnaîtront. Vous pouvez y aller. Je parle de Jacques Lang, qui est le président du monde arabe, et qui dit que l'islam ne représente aucun danger. Donc je pense qu'il ne peut pas ne pas avoir lu le Coran, c'est impossible. Ou alors. À moins qu'il ne soit installé tranquillement dans son. Je ne pense pas que les tenants d'une attitude d'accueil, etc., ils ne sont pas très nombreux, j'imagine, à avoir lu le Coran. Ils ne veulent pas savoir parce qu'il y a un rapport de force idéologique dans lequel ils veulent être dans le camp du bien. Et c'est l'islam modéré. Comme on dit, l'islam modéré, c'est le manche du couteau de l'islam radical. Et peut-être parfaitement ridicule, qui ne correspond pas du tout à une appartenance religieuse. On n'est pas non plus chrétien modéré ou extrémiste. Non, on est chrétien, on ne l'est pas. Modéré, ça ne veut rien dire du tout en matière religieuse. On utilise un mot du vocabulaire politique qui est tout à fait adapté et pertinent pour désigner un parti politique, par exemple. On le transmet dans un domaine religieux où il n'a strictement rien à faire. Dans un domaine religieux extrême. Moi, j'aime bien la phrase de Poutine disant qu'il bombarderait avec des bombes modérées. Les islamistes modérés. Je trouve que c'est pas mal. Un coup de chapeau supplémentaire. Au président russe. De même que le président actuel, notre président actuel, qui dénonce
un assassinat d'Égyptiens, ouais. alors qu'en fait, c'est un massacre qui s'est passé, ouais. un supplice qui a été organisé, oui, oui, qui a été filmé, qui a été envoyé en France sur tous les médias. Vous évoquez etc. la vingtaine de chrétiens coptes qui ont été égorgés en Libye, voilà, tournés vers Rome. Voilà, voilà. Tout à fait. On les voit marcher. On ne peut pas dire qu'il y a eu une médiatisation considérable autour de l'événement. Il en a été rendu compte, mais on n'a pas beaucoup vu depuis de référence à cet épisode qui est quand même tout à fait atroce, tout à fait significatif, pour ne rien dire, on l'évoquait, du sort réservé aux yézidis d'Irak, par exemple, bien sûr. Ce qui s'inscrit d'ailleurs dans une tradition ancienne, puisque les massacres d'Assyro-Babyloniens réalisés dans les années 1920, alors là, ont complètement disparu. Hein. Alors, ça revient, on en reparlera peut-être, pendant très longtemps, on a oublié le génocide arménien, qui est revenu au tout premier plan maintenant, qui est incontournable, aussi, on pourrait dire. Hein. Oui. Mais il y a des massacres dont on parle davantage que d'autres. Oui, on s'indigne à géométrie variable. Oui, oui, oui. Alors je dois noter que votre livre, Colonel Doucet, est publié avant le 13 novembre, les attentats de Paris. Il a été publié un an avant. Et comment dirais-je, j'ai mis 3 ans pour l'écrire, pour peser mes termes. Donc j'avais déjà en tête tout ce profil, je dirais, et dans ce livre en fait, dont l'essentiel repose sur cette missile hominici, le dernier chapitre repose sur la France, sa fragilisation, son dénuement actuel sur le plan spirituel, sur un tas de valeurs qui se perdent volontairement par l'enseignement et par autre chose. Donc, nous sommes actuellement donc en grande difficulté. Vous êtes un lanceur d'alerte, pourrait-on dire. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, pour votre famille, d'une fatwa? Parce que vous auriez bien le profil à attirer la haine. Non, je ne pense pas, parce que d'abord, je suis un petit. Ma mort ne représenterait pas quelque chose d'important. Et d'autre part, je fais confiance à la République. Oulala, c'est comme faire confiance à la justice de son pays, ça. Prenez des risques. Non, je suis un petit, donc si vous voulez, je ne représente rien du tout. Ce qui est important, c'est ce qui est dit et ce qui est dénoncé. Alors, doit l'être. Alors, je voudrais revenir quand même sur la bataille de Clavijo dont nous avons parlé tout à l'heure, parce que si la victoire se dessine au profit du roi Ramir, je crois, c'est parce qu'il y a une intervention exceptionnelle. Tout à fait. Ouais, alors, le pape, comment dirais-je, Miguel, ce seigneur asturien, c'est là où commence le roman, sort de la bataille de Clavijo et va à Rome, je passe le détail, va à Rome. Ouais. Et rencontre le pape Sergius II et qui lui demande de le débriefer, enfin de lui parler de la bataille de Clavijo. Et à un moment donné, il dit donc la première partie de la bataille, ça a été les Asturies étaient en perte et allaient perdre. Et la nuit, ils se sont dégagés, se sont reposés et ont attaqué les musulmans qui croyaient qu'ils pouvaient avoir gagné la partie. Et c'est à ce moment-là, dans le matin levant, que les guerriers asturiens ont vu Saint-Jacques attaquant sur un destrier. Et le pape lui dit, vous avez cru voir Saint-Jacques? Et le guerrier lui répond, non, j'y ai cru. Et en fait, cette foi qu'on peut discuter, tout peut être dit, a été un ressort extraordinaire, la chrétienté en fait, dans cette guerre, dont la reconquête a été accompagnée par les bénédictins, qui au fur et à mesure de la reconquête construisaient des abbayes avec des vignes, bien sûr. Et donc, il faut rendre hommage dans ce cas à Santiago Matamoros, Saint-Jacques, le tueur de mort. Il faudrait bien revenir nous aider un petit peu. Oui, alors, à signaler quand même qu'en Espagne, dans beaucoup d'endroits, on a tenu à faire disparaître les statues du Santiago Matamoros, ou alors à Compostelle même, on a installé devant la statue d'immenses massifs de fleurs qui font qu'on ne voit plus que le cavalier, on ne voit plus sa victime, n'est-ce pas?
par le musulman qui a été l'historiquement correct modèle épiscopal espagnol fonctionne aussi. Bien, écoutez, l'émission se termine. Merci, colonel Doucet, d'avoir été notre invité. Je rappelle donc le titre de votre livre, La sixième heure, aux éditions Saint-Rémy. Je termine par une citation de Bossuet, mais il y en a plein d'autres. Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence. Eh bien, on terminera l'année 2015 là-dessus. Merci, messieurs. À l'année prochaine.